Je viens de passer l'épreuve du projet UC1, UC2 du BPJEPS à Aène. Donc l'épreuve, en fait, c'est 20 minutes où je présente mon projet et 20 minutes où les évaluateurs nous posent des questions sur le projet. C'est la première fois que je passe devant un jury. J'étais très stressée au départ et en fait, ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu stressant au début, mais bon, après ça, dès qu'on commence, bah, ça déroule et au final, ça passe assez vite. Moi, je suis de nature assez à l'aise, surtout à l'oral. J'ai fait un BTS assurance, donc du coup la communication, j'en ai bouffé, on va dire, entre guillemets. Avant d'arriver ici, j'étais parfaitement détendu, nickel. Et quand j'ai passé le pas de la porte, c'était un peu différent. Mais sinon, ouais, ça a été. J'ai eu l'impression des autres copains avant. Déjà, ils nous regardent et ça, c'est déjà très important. Enfin, pour moi, ils regardent pas par la fenêtre ou ils sont pas sur leur téléphone ou quelque chose comme ça. Extrêmement gentil, calme, une voix assez posée, donc enfin ça met à l'aise. C'est pas bon allez on commence, on fait ça, ça, ça et. Bah, il y a eu quelques sourires, donc quand je répondais à des questions, ils me disaient oui, d'accord, c'est bien ça. Et puis des sourires surtout, voilà. Et on sent qu'ils sont intéressés par ce qu'on dit, donc ça met déjà en confiance, on va dire. Bah, j'essaie de voir si les évaluateurs font pas la tête, si. Enfin, j'essaie de voir s'ils portent des jugements ou pas sur moi, quoi. Si le jury est trop bienveillant, après c'est plus tellement marrant pour ce qui est de l'oral. Après, au niveau de l'oral, ils ont écouté, personnellement, hein, c'est ce que je pense, c'est subjectif, mais ils avaient l'air intéressés par le projet. Donc, quand je levais la tête pour les regarder, bah, je croisais leur regard. Ils prenaient des notes, hein, forcément, hein, mais je veux dire, ils n'étaient pas là en train de regarder ailleurs ou à jouer sur leur téléphone, puisque enfin, ça m'est déjà arrivé, quoi. Au départ, c'est un peu des questions, on va dire, pas simples, mais basiques. Et après, ouais, ça, plus le temps passe et plus ça creuse et plus ils cherchent, je pense, jusqu'où on peut aller, quoi. Et les questions, je les ai pas trouvées plus dures, je m'attendais à pire. Des questions sur une globalité, après donc on rentrait dans les détails de la question qui était posée avant. Et après, ouais, au niveau des questions pointilleuses, c'est ce qui est le mieux. Après, au moins, ça nous permet de nous défendre et d'apporter nos idées avec plus de conviction.